L'univers est tellement infiniment grand que des guerres dans les étoiles, c'est à peu près sûr qu'il y en a eu des dizaines, si c'est pas des centaines, qu'il y en a encore en ce moment et qu'il y en aura toujours. Des guerres encore plus loufoques et violentes que les films Star Wars ne sont capables d'en imaginer. Les sabres laser, cette lumière brute qui peut trancher autant des bras que des cerises, c'est fascinant, c'est la plus belle invention Star Wars. Il fallait absolument que j'en parle à quelqu'un. Il fallait que je partage ça. Un de mes films préférés, c'est les films de la série Star Wars. Ah ouais? Quand j'écoute ces films-là, mon rêve, à moi, ça a toujours été d'avoir mon sabre laser. Ben oui. J'ai trouvé ça. C'est un sabre laser. Ça paraît peut-être pas, c'est tout petit, mais là-dedans, il y a un sabre laser. Ça te donne ça, on va regarder ce que ça donne. Ben oui. Ça, hein? Hein? Ça a pas l'air d'un sabre laser, mais c'en est un. J'ai bien hâte de voir. Hein, ben okay. Oui. Hey, ouais. Et ça, si on va dans le noir, ça va plus vite. Okay. Tu vas aller dans le cap? Ok, on va aller dans le cap, ouais. Ouais. Il y a peut-être encore trop de lumière. Ouais, c'est peut-être ça. En tout cas, c'était ça mon sabre laser. C'était la vidéo sur le sabre laser de film Star Wars. Donc, à venir bientôt sur la chaîne YouTube, une critique de nouveau film de Star Wars, Han Solo, une histoire de Star Wars. Donc, c'était ça. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, ben, en fin de compte, j'aurai pas le temps d'aller voir le nouveau film de Star Wars pendant qu'il est en salle. Je pourrais pas faire ma critique. En excuse profondément. C'est peut-être mieux comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait aucun sabre laser dans le film. Ça m'aurait certainement déplu. À peine 2 heures plus tard, c'est déjà la fin pour l'épée Star Wars. Garde des étoiles. Sabre laser de mes rêves. Oh, ça marche plus. Ça marche plus, c'est dégonflé, les gaz se sont échappés.